Malgré quelques impasses qui ont été difficiles à franchir, enfin, une ou deux balles perdues, rien de plus, rassurez-vous, notre duo fonctionne à merveille. Sinon, on peut parler de Triple H, avec une estimation de plus de 10 000 vues. Et plus tard, peut-être, ils sont pas encore prêts. Complicité déconcertante entre deux personnalités opposées allant au-delà de toute impasse. L'amitié profonde s'était établie entre nos deux compères. L'amitié digne, si je peux me permettre, de ce que l'on pourrait appeler la magie du shonen. Attends, repasse la dernière phrase. Permettre de ce que l'on pourrait appeler la magie du shonen. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, que les choses soient bien claires, oui, le shonen n'est pas un genre. Pas plus que le sont les shoujo, les seinen ou les hentai, désignant respectivement les mangas pour adolescents, pour filles, pour jeunes adultes, et bref, vous aurez compris. C'est là que le contraste avec le neketsu est important, puisqu'à l'inverse, le neketsu est un ensemble de critères précis que reprennent une grande majorité des shonen populaires. Donc ça, c'est un neketsu, ça c'est aussi un neketsu, de même pour ça, et ça c'est un shonen, mais pas un neketsu. Et voilà, les précisions étant faites, on peut commencer. Et d'ailleurs, par où commencer? Qui ne connaît pas tous les mangas remplissant les grandes surfaces? Ces mêmes mangas que j'ai montrés il y a à peine quelques secondes et qui avaient déjà illuminé l'enfance de beaucoup. Hokuto no Ken et son doublage nanaresque, Goldorak et ses batailles galactiques, Albator et ses batailles galactiques. Et pour les plus jeunes, Naruto et ses sexy méta, One Piece et sa chasse au trésor, et surtout Dragon Ball et son univers dantesquement incroyable. Avec ça, difficile de ne pas se laisser séduire. Même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Mais on ne va justement pas non plus trop s'attarder sur de simples ressentis personnels, puisque la magie est aussi, et avant tout ailleurs. Shonen signifiant donc littéralement adolescent, le premier magazine que l'on pourrait qualifier comme tel est le Shonen Club, que vous devriez tous ne pas connaître. On est en effet bien loin de nos combats épiques, puisque c'était un ouvrage littéraire paru en 1914, faisant toutefois paraître quelques strips nationalistes et étriqués par la censure. Mais c'était quand même destiné aux jeunes, donc si, ça rentre dans le thème. Et surtout qu'il n'est pas non plus totalement inconnu au manga moderne, étant donné qu'il a accueilli quelques pages d'Osamu Tezuka dans les années 50. Telles que notamment Fujigi Nashonen, où les questions de quatrième dimension, de pouvoir arrêter le temps, et de battre des vilains pas beaux. Ouais, Tezuka c'était quand même quelque chose. Et s'il est réputé pour son surnom de dieu du manga, on pourrait aussi le considérer comme dieu du shonen. Avec ses dizaines de one-shots et séries courtes, il a en effet popularisé la bande dessinée pour adolescents, et donc ce qui deviendra au fil des décennies le véritable emblème du manga qui est le shonen. Et parce que même s'il s'est essayé au shoujo, on a tout de même plus tendance à avoir en tête Astro Boy que Princesse Saphir, ce qui peut sembler logique puisque le manga moderne est toujours plus lu et destiné aux garçons qu'aux filles. Le Shoujo Club étant par comparaison apparu en 1923, soit presque 10 ans après son grand frère. Et bref, toujours est-il que le manga marche, et les librairies de prêt, qui était le système de l'époque, en diffusent à foison. Ou justement pas, n'étant pas adaptées, elles commencent à mourir à petit feu, et sont remplacées par les magazines de prépublication. Les deux gros concurrents que sont encore le Weekly Shonen Magazine et le Weekly Shonen Sunday sont ainsi lancés en 1959, et que vous connaissez sans aucun doute. Que ce soit pour ça pour l'un, ou ça, ou encore ça pour l'autre. Le Shonen Jump paraît quant à lui en 1968. Et ça marche bien! Né alors un véritable phénomène au Japon, chacun lit son Jump, que ce soit à la maison, dans les transports en commun, ou au travail, durant les pauses. Si vous voulez d'ailleurs une parenthèse un peu plus longue sur ce que représentait le manga à cette époque, c'est par ici. Oui, il faut bien qu'il y en ait pour me faire de la pub. Mais c'est dans les années 70 que le manga et ses trois figures éditoriales, que sont le shoujo, le seinen et le shonen, éclatent vraiment. L'exemple le plus frappant est sans aucun doute celui de Hashita no Jo, pour lequel je ne pense même pas avoir besoin de faire un rappel. Et si ça devait être le cas, je vous invite à voir cette vidéo d'un bougre qui en parle bien mieux que je ne pourrais le faire. En plus d'être un énorme chamboulement pour son support, Hashita no Jo illustre l'une des facettes les plus populaires du shonen, qui est le manga de sport. Olivier Tom, Kuroko no Basket, Hajime no Ippo, je ne pense pas avoir besoin de plus vous en citer pour que vous ayez le titre dans votre petite cervelle. Et c'est d'ailleurs amusant de voir le lien étroit qu'a eu le manga de sport avec l'actualité japonaise. En 1964, Tokyo accueille les Jeux Olympiques, ce qui est une première dans la mise en place d'un tel événement en Asie. Qui est d'ailleurs un gros succès, avec
plus de 2 millions de billets vendus. Il n'en fallait donc pas moins pour que se développe la mode des bandes dessinées sportives. Captain Tsubasa est quant à lui né de la passion qu'éprouvait Yuichi Takahashi pour la Coupe du Monde d'Argentine qui avait eu lieu en 1978. Et puis, quand je dis que le manga est en lien étroit avec son contexte historique et culturel, ça va même au-delà de ça. On a même eu droit à Yakitate Japan grâce à la mode des boulangeries au Japon dans les années 2000. La puissance du croissant chaud. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas non plus pour étaler mes connaissances, qui sont en soi bien trop limitées. Il y a quand même quelques trucs intéressants qui peuvent sortir de Wikipédia parfois. Et non, c'est avant tout pour montrer que le manga est un véritable phénomène de société, et le shonen encore plus. Ce qui est d'ailleurs logique, puisqu'avec l'apparition des magazines de prépublication, le but est surtout de faire de l'argent à de grosses sociétés. Ce qui implique une répétition et l'exploitation à la limite de l'abusif de codes populaires, et qui marche donc forcément. Et si le public raffole autant de cette même bouillabaisse, c'est aussi pourquoi la limite entre le shonen et le neketsu est aussi floue. Et mais enfin, je ne vais pas pour autant dire que le shonen de Tezuka était mieux, puisque j'ai lu et relu plus de fois Pleasure Drive que Metropolis. Et parce que oui, la base de tout ça, c'est que c'est destiné à de jeunes garnements de 12 à 17 ans, alors à quoi bon changer la formule si elle arrive à proposer ce qu'ils veulent? C'est-à-dire un univers qui permettra de rêver, avec un héros pour lequel ils s'identifieront à travers des combats testostéronés. Ça peut paraître triste et dévalorisant pour certains, mais c'est la vision du manga la plus représentée dans le monde. Jusqu'à ce qu'un simple magazine de prépublication africain viennent à s'appeler l'Afro Shonen. Ce qui est même assez ironique, puisqu'apparemment il comporte surtout des romances, et la notion même de manga est très maladroite. N'empêche que ça peut quand même être cool, hein, je ne dis pas le contraire. Le marché du shonen demeure en tout cas une vraie machine à succès, avec pas moins de 400 millions d'exemplaires vendus dans le monde pour One Piece, 200 millions pour Naruto, et 50 pour Kurokoze, contre seulement quelques millions pour un Jiro Taniguchi. Et si j'ai la fâcheuse tendance à rapporter le shonen moderne à une simple recette commerciale, je ne suis pas de ceux qui le renient pour autant. Il y a aussi de nombreuses pépites qui arrivent à innover et à renverser ces codes vus et revus, à apporter leur petit quelque chose à la recette. Sans même citer les plus renommés que sont entre autres Fullmetal et One Punch Man, il y a Prisonnier Haiku qui n'est lui aussi qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors oui, généralement ce ne sont pas ceux qui font les gros titres, mais tant qu'il arrive à se renouveler de façon intelligente, on ne peut pas cracher sur un système populaire. Et puis ce n'est même pas ce que moi-même je cherche à défendre dans cette vaste soupe qu'est le shonen. Parce que la magie n'est pas là, et même un bouillon d'Intermarché peut être un véritable régal. Et oui, je reconnais que la plupart manquent véritablement de fond comparé à telle ou telle œuvre soi-disant underground. Oui, elle crée pour beaucoup un rempart à la découverte de ce qu'est vraiment le manga. Oui, le fanservice dans Fairy Tail et le manque d'originalité d'Hiromashima pour de nombreuses bases scénaristiques sont irréfutables. Mais j'aime Evangelion autant que j'aime Fairy Tail. Et avant de tirer vers le bas ce pauvre pouce, laissez-moi juste le temps de m'expliquer. Dragon Ball, Soul Eater, Naruto ou Bleach sont des mangas qui m'ont fait rêver à une période où je ne demandais rien d'autre. Je n'avais rien à faire que Bidule apparaisse dans un bain tous les deux épisodes ou que Machin découvre une nouvelle technique ultra secrète à chaque combat. Et d'un autre côté, je regrette presque que l'on m'ait fait prendre conscience de tous ces défauts, puisque je suis maintenant bien incapable d'éprouver les mêmes sensations devant un volume de Fairy Tail. Le pire, c'est que généralement, ça délivre des messages louables. Oui, pour moi, le pouvoir de l'amitié est un message louable. Oui, oui, oui. Et bon, sans parler de subtilité pour autant, ça prend pas non plus totalement les jeunes lecteurs pour des abrutis finis. Mais il est facile de considérer tel ou tel titre populaire comme une énorme bouse, après avoir découvert que le manga, toujours avec un M majuscule, et bien plus que ça. Mais c'est aussi à l'encontre de ce qui fait le plaisir de n'importe quel shonen classique, une lecture naïve où l'on ne cherche qu'à être transporté dans un monde fantastique. Si vous adorez Fairy Tail, alors profitez-en. Si vous voulez le montrer, alors faites-le voir. Par contre, si vous affirmez que c'est le meilleur manga du monde, alors allez vous faire voir. Et c'est sur ce beau message rempli d'amour et d'allégresse que l'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, un commentaire ou à la partager sur votre groupe Facebook Otaku pour toujours. Ah, du coup, vous savez pas comment le prendre, hein? Et bref, dans l'espoir que certains d'entre vous aient retrouvé cette magie du shonen, je vous dis à bientôt. Ciao! Et voilà, c'est dans la boîte. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est trop triste. Regarde, il y a un chat qui pleure.